More Vibes TV, brand new video, brand new artist, brand new generation. Comme une reine dans son royaume, elle m'emmène, oui, elle est tout ce que j'aime. Quand nos corps se mélangent, rien ne l'arrête, aussi j'aime si elle m'emmène, oui, elle est tout ce que j'aime. Rouge, jaune, blanche ou encore noir comme l'ébène, oui, elle est tout ce que j'aime. Jamais je n'y ferai de la peine. Coucou Benji, bienvenue sur le plateau du Ali Blabla Show. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein, ça va très bien. Merci à toi de m'avoir invité, merci à toute l'équipe. Franchement, ça fait plaisir. De rien. Alors, on veut tout savoir. Dévoile-nous qui est Benji. Quel est ton style musical? Écoute, moi j'évolue dans l'univers du zouk, donc zouk tropical. J'essaie de me diversifier un peu, un petit peu d'R&B, un petit peu tropical. Peut-être un petit peu de keys aussi, mais bon... Mais pour l'instant, c'est surtout du tropical que je fais. D'accord, très bien. Donc, dès ton plus jeune âge, on a vu que tu commences les cours de piano, tu enchaînes les concours nationaux. Donc, d'où t'es réellement venue cette passion pour la musique? Bah, écoute, je pourrais dire merci maman, tout simplement. Non, voilà, ma mère qui m'a inscrit tout simplement en conservatoire quand j'étais tout petit. Et puis, la passion est venue toute seule, hein, à force d'y aller, de travailler. D'abord le piano, ensuite en grandissant avec le collège, le lycée, avec toute la musique qui nous entoure, toute la culture musicale. Le chant également, les cours de chant, comme tout le monde, hein, en école et tout. Et puis voilà quoi, c'est à partir de là qu'on s'est dit tiens, il y a un petit quelque chose à faire, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer, voilà. Dis-moi, Benji est plutôt extraverti ou réservé dans sa vie quotidienne? Réservé. Réservé, c'est vrai? En quoi, pourquoi? Bah écoute, c'est ce qui se dit, hein, j'en sais rien. Non, franchement assez timide et réservé, effectivement, depuis mon plus jeune âge, jusqu'à maintenant. Hein, je fais de la musique, mais je reste toujours quelqu'un de calme, de réservé. C'est dans mon tempérament, sûrement, je sais pas. D'accord, très bien. Donc, tu pars une année à Montpellier, durant laquelle tu vas créer ton groupe avec tes amis. Donc, CNG Vibes, qui ensuite va s'appeler Guyanese Vibes. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la création de ce groupe? Ben écoute, c'était un petit délire entre amis, sur le modèle des Boys to Men, des All for One, les petits groupes... a cappella, tu sais, de soul R&B. Donc, on était tous fans de ce genre de groupe. Donc, on a créé le nôtre, tout simplement, à Montpellier. On a fait quelques prestations, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on faisait des reprises de tous ces grands classiques. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas aussi essayer dans le zouk, changer, essayer d'apporter cette touche dans le zouk, et ça a commencé à marcher petit à petit. On a fait des prestations en Guyane également. Et puis voilà quoi, pour l'instant, ça s'est passé comme ça. Bon, après, forcément, comme beaucoup de groupes, on s'est séparés parce que bon, voilà quoi, la vie voulait ça. Moi, j'ai dû retourner en métropole. Certains sont restés en Guyane, d'autres ont choisi d'autres options. Mais en tout cas, c'était une belle expérience quoi, il n'y a rien à dire dessus. Donc justement, cette belle expérience que tu as pu avoir avec ton groupe, vous avez justement fait aussi un single « Oh Mama » qui sonne un peu comme une déclaration pour la fête des mères. Donc, est-ce que tu penses que justement ça a été un début pour le lancement de ta carrière?
Pour le lancement de ma carrière solo, non, pas vraiment, non, non. C'était vraiment dans le concept du groupe, toujours à quatre, commencer à ouvrir, à arrêter de plus en plus les reprises et faire connaître un peu notre univers à nous, nos compositions, puisque ce sont tous des compositions à nous. Et c'est à force d'écrire, en fait, justement, au sein du groupe, qu'on a commencé à prendre conscience que bon, il y avait quelque chose à faire, quoi. Bon, on avait un manager là-bas qui nous soutenait énormément, et puis le soutien de mes amis aussi, quoi, qui me disaient, ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est pas mal, essaye de faire ça, essaye de faire ça, et puis des petites compos solo qui font que après je me suis dit pourquoi pas, hein. Et en 2012, justement, on te retrouve, justement, tu lances ta carrière musicale solo, du coup, Zouk R&B, on va dire ça comme ça. Voilà, et tu sors ton premier clip, Next to You, accompagné de Joanne à la guitare. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la réalisation de ce clip? Écoute, très belle expérience. Dès que je suis arrivé ici, je me suis un peu fait connaître parce que j'avais fait une reprise c'était l'époque où tout le monde faisait des reprises d'ailleurs. Et puis, bon, elle a bien marché un peu partout. Et du coup, j'ai eu une offre d'un producteur, donc, Black Phoenix Records. À partir de là, j'ai commencé à bosser avec lui. Il était très emballé. Donc, c'est lui qui a composé d'ailleurs le titre Next to You, l'instrumental. Et puis voilà quoi, on a lancé tout ça directement, plongé dans le milieu et puis on va voir ce que ça donne. Puis finalement, ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de retours des médias, beaucoup de soutien de la Guyane, des Antilles, en métropole. Et à partir de là, on s'est dit, bon, ben, vas-y, on va continuer encore, hein, c'est parti. Non, mais très bien. Et ton single Jusqu'au bout a eu un très, très, très gros succès parce qu'il est resté numéro 1 durant plusieurs semaines, je crois, sur diverses radios en Guyane et même aux Antilles. Du coup, est-ce que tu t'attendais réellement à cet engouement? Non, du tout pas. Grosse surprise. Non, non, très grosse surprise. J'ai sorti le titre, il me tenait à cœur, donc je l'ai sorti et vraiment. Parce que bon, le premier, il a tourné un peu, mais bon, il n'avait pas vraiment eu un franc succès, quoi. Alors que lorsque le deuxième est sorti, j'ai vu les vues monter. J'étais impressionné. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et puis après, bien sûr, le retour en télé, le retour des radios, on m'envoyait des tas de vidéos et tout, et franchement, ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Même si je prenais l'avion, je crois que un épisode mémorable, c'est quand j'ai pris l'avion et qu'effectivement, en parcourant les playlists, j'ai vu qu'il était dans l'avion, quoi. Je me suis dit, oh, ouais, quand même. C'est bien ça, je monte. Ce sont des petites choses qui font plaisir quand on est dans le milieu et tout. On se dit, ah bon, au moins on ne taffe pas pour rien. C'est vrai que bon, c'est. Non, mais c'est vrai qu'on a la reconnaissance aussi du public, de la presse. C'est là qu'on voit vraiment qu'on ne travaille pas pour rien et que le travail paie au final. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est hyper dur. Hein. Faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, ils savent pas trop, mais c'est vraiment un milieu difficile. Surtout quand on vient d'arriver, quand on débarque, je connais des tas de gens qui ont énormément de talent et qui sont toujours inconnus ou coincés quelque part. Et ouais, faut vraiment s'accrocher quand on veut le faire, faut vraiment s'accrocher. En 2014, tu fais ton grand retour sur scène avec ton couplet sur le titre d'une chanteuse guyanaise, Rachel, qui a eu d'ailleurs un franc succès sur Guyane Première. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ressenti par rapport à cette collaboration qui a fait plus de 160 000 vues sur YouTube? Bah écoute, Rachel, c'est une connaissance de la Guyane, puis moi je suis originaire de la Guyane, forcément. Donc j'avais déjà repéré son talent puisqu'elle avait participé à un concours de chant. Et effectivement, quand je l'ai retrouvée en métropole, entre-temps j'avais déjà signé dans un autre label vraiment plus tropical, donc Mélodisque Production. Et donc j'en ai parlé directement à mon producteur, je lui ai dit voilà, elle, je la connais un peu, j'ai entendu ce qu'elle fait, c'est bien. Donc on l'a pris sous notre aile, on a commencé à travailler avec elle, à composer le titre.
Et puis il manquait un petit truc, on cherchait, et puis finalement, dans le label, si tu veux, je fais pas mal de mélodies. Je m'occupe beaucoup des mélodies, des textes, des mélodies. Et ils m'ont dit, essaye de poser ça pour voir. Et puis finalement, on s'est dit, bon, ben vas-y, on va le sortir en duo, parce qu'à la base, c'était juste un single solo. Et puis on l'a sorti en duo, on a vu que ça avait bien marché et tout. Et bon, ça s'est super bien passé. Donc, afin de bien démarrer l'année 2015, tu as sorti ton single Confession. Et en 2016, on te retrouve avec un jeune artiste réunionnais, Jonah, sur le titre Catherine. Donc, quel est le message que vous vouliez véhiculer à travers ce titre ? Écoute, le titre, moi, personnellement, je l'ai composé parce que je voulais faire un hommage aux femmes partout dans le monde, quelle que soit la race, la religion. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. C'est pas ça qui compte, quoi. C'est ce qui a. Donc, c'était vraiment le message que je voulais faire passer. Moi. D'accord, merci. Donc, quelle est ta muse principale? Alors, bon, sans mentir, je dirais moi. Non, en fait, c'est que je m'inspire beaucoup de mon vécu. Et même du vécu de mes amis, de ce qu'on me raconte, de ce que je vois autour de moi et tout. Mais surtout des histoires personnelles quoi, que j'ai vécues. Et effectivement, je me suis toujours dit que s'il y a quelque chose de vrai, ce serait bien de le sortir, de le montrer. Quoi. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Quoi. Plus c'est vrai, plus ça marche. Au lieu d'aller chercher des inventions, des trucs qui sont peut-être pas arrivés ou pas. Moi, je parle beaucoup des choses que j'ai vécues. Et puis, voilà. Il y a 3 semaines de ça, tu sors ton single en featuring avec Jelissa, vous et moi. Donc, comment s'est déroulée cette collaboration? Oh ben, Jelissa, c'est une grande histoire. Hein. C'est la petite protégée de mon label. Donc, ça fait déjà, je crois, ça doit faire 4 ans, un petit peu plus... qu'on évolue ensemble au sein du label. Donc on travaille tous ensemble, ces morceaux, les textes et tout. Et donc on est conscient de son talent et je trouvais ça normal de faire un duo avec elle. Donc j'ai écrit le son. Et puis franchement, on réfléchissait à une artiste. Juste avant, on réfléchissait à une artiste à qui on proposait. Bon, comme j'en parlais précédemment, c'est vrai que c'est assez difficile, même au niveau entre artistes, de chercher des collaborations. Donc, Jelissa, on l'a fait essayer en studio, la chanson et tout, et on a vu que ça collait tellement bien. C'est bon, c'est elle. Pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a quelqu'un de super ici Non, franchement, elle a assuré, sur le titre, elle a assuré grave. Voilà. Mieux alors. Du coup, on veut tout savoir. Quels sont tes prochains projets à venir? Est-ce que tu as des showcases de prévus? On veut tout savoir. Mais écoute, là, en ce moment, il y a une mini tournée qui est en cours avec Jelissa, justement, le Vous et moins tour. On a fait une date hier soir à Rantigny, au Concept Club. On a d'autres dates de prévues quelques mois, j'ai pas les dates en tête. Donc, il faudra suivre un peu tout ça sur les différents réseaux. Mais on compte faire un peu quand même le Tour de France, quoi, avec pas mal de dates de prévues. D'accord. Bah justement, comme tu as parlé des réseaux, alors, sur quel réseau on peut te suivre, suivre ton actualité, tes prestations, etc. Bah, écoute, on peut me suivre sur Instagram, Facebook. Alors, attends, que j'essaie de m'en rappeler. On notera tout ça hein, en barre d'infos. Voilà, Instagram Benj, donc Ben-G. Sur Facebook, Benj Zouk. Voilà. Et Snapchat, Benj973. Voilà, tout simplement. Ok. Est-ce que tu aimerais faire passer un petit message à tes internautes, à ceux qui te suivent? Ben oui, bien sûr. Hein. Moi, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Je vous vois, je reçois des tas de messages chaque jour, des demandes, des attentes aussi de nouveaux singles. Et ça fait vraiment plaisir. Ça encourage afin de continuer cette aventure-là. Donc, oui, un grand merci à tous. Voilà.
Comment te dire toutes ces choses que je garde au fond de moi? J'aimerais te l'écrire, rien n'y fait, les mots ne viennent pas. J'ai si peur de te blesser, mais je ne peux plus continuer à faire semblant sur mes sentiments. Et tout s'emballe, balle. Dans ma tête, il y a un gouffre qui nous éloigne. Aïe. C'est à cause de ça que tu souffres. J'ai beau faire des efforts, y croire encore en vain. Je pense que notre amour est mort. Il est mort. Ce que tu ressens, je ne le sens pas. Ah. Et quand je te mens, tu ne le vois pas. Ah. C'est trop dur, je ne sais plus quoi faire. Non, je ne peux plus me taire. Baby, dans le fond, tu seras mieux sans moi, sans moi. Merci Benji pour cet instant en ta compagnie. Donc le Ali Blabla Show te souhaite longévité et succès dans ta carrière musicale. Et on te dit à très bientôt. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et puis on se revoit peut-être bientôt. Bien sûr, c'était le Ali Blabla Show, l'émission 100% Caliente, avec toujours plus de nouveaux talents, rien que pour vous mes amours, à dans d'autres soleils.